dans l'avide recherche du Père. Et depuis le 22 septembre 2013, date à laquelle cette nouvelle responsabilité nous a été confiée, nous sommes conscients de l'obligation de porter l'étendard plus haut et d'amener la conquête jusqu'à la terre promise. C'est pour cette raison que je me permets de vous parler à vous tous, qui êtes Gaël d'une manière ou d'une autre, à vous tous qui partagez la même espérance que nous. Nous sommes la génération de l'accomplissement, ceux qui sont choisis pour entrer dans le pays. Nos défis seront certes différents, mais la vision doit demeurer exactement la même. Les méthodes vont obligatoirement changer, mais notre cœur d'adorateur doit rester le même dans toutes les générations. Si vous aviez souvent pensé à Gaël, eh bien, maintenant, il faut commencer à prier pour Gaël, afin que rien ne vous empêche d'atteindre le but du Seigneur dans notre saison. Ni le diable, ni la division, ni les hommes, ni la chair, ni la convoitise sous toutes ses formes. Si vous aviez souvent conseillé Gaël, eh bien maintenant, il faut contribuer dans l'œuvre de Gaël, à travers ce que vous êtes et avec ce que vous avez. Soutenir de jour et de nuit par vos prières, votre présence et vos finances, afin que nous nous concentrions essentiellement aux choses qui concernent le ministère, au lieu de nous soucier de ce qui peut nous distraire. Pour faire une petite visite à quoi ressemblent nos modestes bureaux. Ici, c'est généralement là où nous parquons, et là-bas, à l'intérieur, c'est là où se fait notre administration, et derrière, là-bas, c'est là où se passent nos répétitions. Vous voyez quand même ce que nous avons. Alors, on va entrer un peu dans l'histoire. On va regarder une assez intéressante longue vidéo qui va ramener l'histoire de Gaël très, 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 très loin vers les débuts. Et dans ces débuts, vous allez reconnaître des visages, vous allez voir des visages que vous ne connaissez pas, tiens. Et vous allez voir d'autres que vous dites, ah, il était là. La qualité de certains de ces souvenirs que nous sommes allés chercher n'a pas nécessairement respecté les normes d'aujourd'hui dans les montages. Certaines de ces vidéos ont été faites en bandes magnétiques, le temps de les traduire en des CD. Vous aurez certainement des difficultés, par exemple, des synchronisations. Des fois, vous aurez les paroles qui ont déjà avancé pendant que les visages parlent encore autre chose. Donc, c'est simplement lié à la qualité et au temps dans lequel on avait fait ces choses.
Alors, frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous demander de tourner le regard vers cet écran et suivre. J'espère qu'on aura le son en même temps. Le son est bon. Voilà. Ok, super. Donc, pour l'instant, l'histoire commence. Seigneur, oh, Christ,
gloire sont descendus. Se joindre avec les bergers, ils vont chanter paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ils ont tout vu sa gloire, ils ont fléchi leurs genoux. Allez. Comme vous pouvez le constater, le deuxième pianiste, c'est le frère Joël Poumba. Ça vous va là. Vous pouvez connaître. Et tout à l'heure, la dame qui a chanté avec la robe rouge, maman Anna Poumba, la femme, c'est le papa Bronson, le bassiste de Gaël, vous l'avez vu tout à l'heure, Bronson.